Fort Galgier, one of France's most beautiful farmers markets and the largest in Provence. I will interview some fantastic vendors and clients to give you an authentic market picture. The interviews are in French. Please check the subtitles of your choice. C'est la saison de mimosa. Oui, vous êtes toutes belles comme mimosa. Vous êtes là tous les lundis. Mais s'il n'y a pas de mimosa, qu'est-ce que vous vendez? D'autres fleurs, des anémones, des jonquilles, des frésias, des lys. Vous vendez toujours des fleurs? Des pivoines. Des pivoines, oui. Donc vous vendez les fleurs de saison? Les fleurs de saison, oui. À chaque saison, j'ai des nouvelles fleurs, certaines de variétés. Et sont bio? L'agriculture biologique. Ça, c'est des fleurs biologiques. Pas de transport. Organique. Vous n'utilisez pas des engrais. Et puis le problème, c'est est-ce que ça tienne? Le problème, c'est ça tient que 15 jours, un mimosa. Le mimosa, il tient 5-6 jours. C'est éphémère, c'est très éphémère le mimosa. Mais c'est la saison, c'est obligé d'en avoir. Là, les anémones, les jonquilles, les frésias, ils tiennent 15 jours. 15 jours? Oui. Vous vendez que des fleurs de saison? Oui, que des fleurs de saison. C'est-à-dire de la nature? Je les plante quand même. Ah, vous plantez? C'est de l'huile, vous voyez. C'est sur les coups de soleil. Coups de soleil et les brûlures, c'est très très efficace. On met directement sur la peau? Directement sur la peau, on peut se mettre sur le visage. Par rapport à l'huile essentielle, est moins fort? C'est beaucoup moins fort et beaucoup plus sûr d'utilisation. Les huiles essentielles, il faut faire très très attention. Faut pas le mettre sur le visage, pas à côté des muqueuses, de l'huile avec des plantes qui ont macéré à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus sûr, beaucoup plus. Donc on peut le mettre facile. Même sur le visage? Oui, même sur le visage. Donc vous avez plusieurs? Là, il y en a, ça c'est un antihistaminique quand on. De l'eczéma, des choses qui grattent. On le met et ça gratte plus. L'huile de millepertuis, c'est contre les brûlures, c'est magique. L'achille et millefeuille, c'est pour les douleurs de ventre. Ça, c'est pour unifier le teint. Le calendula, c'est un adoucissant, on le retrouve dans toutes les crèmes cosmétiques. L'huile de cynorhodon. Cynorhodon, ce que j'ai pris. Ce sont les fruits. C'est lequel? Celui-ci. C'est celui-ci. Très bon pour la peau. Merci. Madame, qu'est-ce que ça veut dire une vie provençale? Une vie provençale. Je ne sais pas si on peut se garder. La couleur, le soleil. Oui, la couleur, le soleil, la bonne humeur. La bonne humeur. La bonne humeur. La bonne nourriture saine. La bonne nourriture saine. Alors ici, on est vraiment bien servi. Le pays de Fort-Calquier concentre beaucoup, beaucoup de stands qui font de l'agriculture bio. Et c'est précieux parce que c'est pas très répandu quand même. Et puis la Provence, c'est la lavande. C'est la lavande. Voilà, arrive au mois de juillet. Oui, avec les champs tout bleus. Violet. Violet. Et les Chinoises qui se font photographier en robe de mariée sur le plateau de Valensole, à cause de la lavande. Fort-Calquier, est-ce que ce nom signifie quelque chose? Alors, qui, au départ, c'est fort, ça peut être fou, faux, fou, calquier, calcaire, four à chaud. Four à chaud. Chaud, la chaud. Chaud. Hein, parce qu'autrefois, on faisait chauffer la chaud pour la transformer. La chaud, c'est une substance. C'est comme le ciment. Crayeuse blanche, trouve dans le sol. Quelle couleur? Alors, plutôt les ocres d'Apt, ce sont des oxydes
qui colore le sable, le sable fossilisé. Donc c'est une roche très, très tendre. Et autrefois, on extrayait des couleurs de ces ocres. On les passait au jet d'eau pour faire arriver, pour faire décanter les pigments dans des bassins. Et par rapport à la nourriture, ce qui est connu ici, c'est quoi? Les fruits, les légumes. Les fruits, légumes. Essentiellement l'agneau. La ratatouille. Aussi. L'agneau. La ratatouille. La ratatouille. Est-ce qu'il n'y a pas le fromage, par exemple, oui, fromage panon, de panon? Oui. Panon à côté, là. C'est une sorte de fromage spécial. Oui. Spécialité. Dans de... les feuilles de châtaignier. De l'huile des olives. L'huile d'olive aussi, oui, parce que ici, on est à la limite de la culture de l'olivier, ce qui donne un goût très prononcé de l'olive. C'est la race Laglando. Laglando, c'est un arbre adapté à nos régions un peu difficiles au point de vue climat, parce qu'il peut y avoir de grandes amplitudes thermiques entre l'été et l'hiver. Il peut faire 40 en été, moins 10 en hiver. Et votre nom? Pierrette. Pierrette. Oui. Salut. Bonjour, monsieur. Le plus beau marché de France. Le plus beau marché de France. C'est-à-dire, il va y avoir un concours du plus beau marché de France. C'est pas un mais concours. C'est un des plus vieux marchés de Provence. C'est un des plus vieux ou le plus vieux? Un des plus vieux. Il était très grand, il y avait tous les paysans qui venaient amener leurs poules, leurs lapins. C'est une fois par semaine, c'est tous les lundis. Oui. Toujours. Toujours. C'est quoi qui fait ce marché qui est plus beau? C'est parce que la variété des exposants et l'ampleur. Ouais. Vous serez là tout le temps? Normalement, oui, à cet endroit, mais un petit peu ailleurs. C'est quoi le meilleur comme spécialité de la maison? On a des nems légumes, siumai bœuf charolé avec châtaigne de rivière. Merci, bonne chance! Bonjour monsieur. Venez, je peux sentir si vous voulez. Montagne de l'Eure. C'est biologique? Non. C'est le meilleur lavande? Le meilleur, oui. C'est très bon. Je vais acheter des sachets, petits sachets. 10 pour 10.
ils vont rester pendant combien de temps pour les arômes? Longtemps? Un an? Plus. Mettre directement sur le vêtement ou mettre encore un petit sachet de coton? Il faut ça à 700 mètres d'altitude. Ouais, c'est ça qui lui... Avec... Il y a beaucoup de soleil, d'altitude, elle est chargée en essence, c'est pour ça qu'elle sent fort. Elle sent fort? Ouais. Et par rapport à l'agriculture, est-ce qu'elle est différente? La terre? Ça c'est... Oui, parce que c'est fait sans arrosage. Ici, il n'y a pas d'arrosage, donc dans la vallée du Rhône... Elle... Vous serez toujours là? De vendre la même chose? Bonne chance. Prochaine fois. Ce sont des... saucisson, c'est une nouvelle façon de faire le saucisson. C'est plus facile de conserver. Et monsieur, on a la petite languette. Et ben, là, on va faire un petit roulé. Vous voyez? Là, on va faire un petit roulé. Alors moi, j'ai deux bras gauche, je vais utiliser un petit pic. Et là, vous avez vu, on a les moustaches de chat qui pendent. Moustaches de chat. D'un côté et de l'autre. Et là, vous avez la planche apéro de smoothie qui se dessine. Pour moi, c'est un décor, mais pour vous, c'est peut-être un petit canapé. Vous voyez ? Vous avez tout un monde à créer. Vous serez là tout le temps, monsieur ? Ah ben, j'espère, mais pas forcément au même endroit. Donc, c'est un art de table ? Oui. Oh, qu'est-ce que vous faites ? C'est juste un peu d'imagination. Vous allez apprendre les gens de faire ça ou... Je fais ça dans les écoles. Ah, vous êtes industriteur? Oui, je fais ça dans les écoles pour montrer aux enfants que ben, il faut manger des légumes. Et pour les aider à manger des légumes, eh ben, on crée des objets, des choses toutes simples. Pour vous, par exemple, aujourd'hui vous êtes au marché, c'est pour faire... C'est pour vendre les éplucheurs. Là, ouais. On enlève la file épluchée. On va travailler à plat, donc on va aller d'avant en arrière. Et donc, du coup, on va faire les petites... Waouh! De l'autre côté, quand vous le tournez sans électricité, ça c'est la grande innovation, eh bien vous allez faire du râpé sans déraper. Une petite lamelle. Vous mélangez les deux. C'est un arbre. Et là, vous allez faire un sushi de légumes. Un sushi de légumes? Bien sûr. Là, vous avez les petites moustaches de chat qui pendouillent juste d'un côté et de l'autre. Et là, vous avez la planche apéro de ce midi qui se dessine. Apéritif. Apéritif, tout simplement. Oui. Et là, vous tournez. C'est pas vous qui travaillez, c'est l'appareil. Oh, qu'est-ce qu'on a en premier? On fait des tranches. Boucle d'oreille pour vegan. Ici, bien à droite qu'à gauche. Là, on va mettre notre pic à brochette. D'accord? C'est de brochette. Brochette. De légumes. Et là, c'est pas vous qui travaillez, c'est l'appareil. C'est même pas vous qui allez faire la brochette, car elle se fait toute seule. La photo derrière la paella. Ah, le photo vidéo. Je crois que ça y est, il a fait une vidéo. Tu vois une caméra? Ah, ça y est, là ça marche. Je vois le chiffre. Allez, tout à l'heure, ça n'a pas marché. Oh mon Dieu, c'est moi qui fais la cuisine.